Salut à tous et bienvenue sur CineTor pour une nouvelle vidéo critique cinéma. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler de Once Upon a Time in Hollywood. Il était une fois à Hollywood, un conte des fées à la Tarantino. Si on s'en tient juste au titre, on jurait qu'il s'agit d'un documentaire sur l'industrie cinématographique américaine. Mais vous en connaissez beaucoup de films documentaires signés Quentin Tarantino. Et oui, l'esprit dérangé qui nous a concocté Inglourious Basterds, Kill Bill ou bien encore Reservoir Dogs a remis ça. Once Upon a Time in Hollywood, qu'on surnomme déjà le 9e film de Tarantino, raconte l'histoire de deux principaux acteurs, Rick et Cliff. Rick Dalton, interprété par Leonardo DiCaprio, ancienne coqueluche des cinéphiles américains dans les années 50 grâce à une série western populaire Chasseur de Primes, essaie tant bien que mal de booster sa carrière sur le déclin. Dans la vie, comme dans ses films, Rick est toujours flanqué de son fidèle doubleur, cascadeur et accessoirement homme à tout faire et ami, Cliff Boots, interprété par Brad Pitt. On notera aussi le clin d'œil à Sharon Tate, interprété par Margot Robbie, célèbre Lolita des années 60, actrice potiche et fraîchement femme du réalisateur Roman Polanski. Ce film est un savant mélange de fiction et de réalité. On est parti sur l'histoire fictive, mais néanmoins classique de la star qui deviendra ringard avec comme toile de fond la fin des années 60. Les western spaghetti, les hippies et le luxe mélangé à la luxure des stars américaines. Mais un Quentin n'est pas un Tarantino sans les fameuses scènes de violence où la profusion d'hémoglobine est roi. Alors là, on est servi. Ouverture de boîte crânienne, grillade à la lance-flamme, broyage de couronne, on vous l'a dit, Tarantino n'est pas là pour faire un documentaire. Une petite curiosité dans le film, pourquoi les pieds sales? C'est quoi le projet? On aime ou on n'aime pas, ça reste toujours un très bon Tarantino. Non, un chef-d'œuvre même, cinématographique. Si vous avez aimé cette courte vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Allez, à très vite les cinéphiles.